Voilà, en vrai, quand je disais à tout de suite, c'est vraiment à tout de suite, hein. Je reprends genre maintenant, parce que il fait bientôt nuit, je n'ai plus de santé mentale, j'ai encore super faim, mon estomac est vide, et je veux vivre! Et nous allons vivre ensemble. Donc je fais continue, et il me faut donc de la paille, toujours de la paille, pour faire une tente. Et pour cette tente, il me faut aussi donc des cordes. Les cordes, elles sont pas là parce que je n'ai pas mon science machine. Alors je vais prendre toutes les cordes dont j'ai besoin et revenir en bas. Par contre, en fait, tout le monde a récupéré les ressources qu'il y avait ici. C'est vrai que c'est l'inconvénient d'avoir un serveur à 20 personnes. C'est que les ressources, ça va très très vite. Mais je vais survivre. Vivre ou survivre, sans poème, sans laisser, tu sais qu'on aime. Et je n'ai toujours pas remis le jeu, mais tout va bien. Car j'avais juste récupéré deux morceaux de paille. Deux morceaux de paille. Et Fanny sans fail, ce ne serait pas vraiment Fanny. Du coup, voilà. Elle a encore oublié de remettre le jeu. Non, Cantinox, je m'en suis rappelé avant que tu me rappelles à l'ordre. Du coup, tout va bien. Ah là 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 là. Je vais rentrer à la base, je vais faire ma tente. La base, elle est juste en dessous. Ça marche. Ça marche, ça marche. On y va. Je suis toujours là, tu m'accompagnes en fond. Oh, c'est trop gentil, Crane. Ça me fait plaisir de savoir que tu es là. J'espère que ça te plaît. Malgré le fail. Mais là, pour l'instant, je m'en sors pas trop mal. On est jour 14. Je suis en train de mourir de faim, mais à part ça, tout va bien. Attends, je vais cuisiner un petit peu pour éviter de vraiment trop mourir de faim. Ça, voilà. Hop, allez. Manger. Allez. Ah, par contre, lui, il va m'attaquer. Non, ça va. Oulala, là, je suis en train de mourir de faim, là, par contre. Oh, merci. Oh, merci à la personne qui m'a filé des boulettes de viande. Merci beaucoup. Ça, c'est adorable. Vous m'aidez à survivre, c'est trop cool. Allez, mange. Ok, maintenant, une tente. Va-t'en, toi. M'attaque pas. Vite. Corde. Ah, là, une, deux. Et la tente. Trois, il m'en faut trois. Trois. Zut. Bah, pourquoi je peux pas? Si, voilà. Yes! Je vais la faire là-haut, tiens. Non, là. Yaha, j'ai fait ma tente. On va dormir un petit coup. Oh, c'était quoi? Non, on n'est pas à un endroit où il y a des météorites. Sans déconner. J'ai cru voir passer une météorite. Ah non, hein. Ah non, vous n'avez pas planté la base sur un champ de météorites. Ce serait un peu le dégoût. Allez, vite, monte ma santé mentale. Vite. Je veux vivre, c'était pas une chanson toute pourrie de Faudel? Absolument pas, Lounmia. Absolument pas. C'est une chanson très bien. De moi. La pause la plus rapide de l'univers et de Saturne. Atto devrait te suivre comme exemple, Fanny. C'est ça, Skyfire. Mais en même temps, le jeu se prête pas tellement aux pauses, hein, on va dire. Surtout que tout à l'heure, j'ai été kickée hors du serveur et je ne pouvais plus jouer parce qu'en effet, nous sommes 20. Nous sommes 20, il n'y a plus de place sur le serveur et vous me voyez ravis du succès de cette partie. J'espère que vous vous amusez ceux qui sont sur le serveur et j'espère que vous vous amusez ceux qui sont sur le chat, sur le live. Bonne mort. Mais non, pas du tout. Salut Magritor. Bonne mort, d'accord. Bonjour, bonne mort. c'est comme ça que tu nous salues maintenant. Ah bah c'est beau. Bon allez. Hop, je vais vous laisser un peu dormir. Vous voyez, je vous ai laissé la tombée de la nuit, comme ça ceux qui veulent dormir, la tente est à vous, je vais le dire, tiens. La tente est à vous. Hop là. Et voilà. Et moi pendant ce temps, je vais manger. Par contre, qui a mis un arbre là juste devant? Je vais l'enlever, hein. On est d'accord? Oups. Voilà. Ça va beaucoup mieux, on voit mieux. Alors, à manger. Hop. Hop. Hop, et hop. Ça devrait être pas mal, là, ce que je nous ai cuisiné. Par contre, c'est à moi, hein. Pas touche.
J'adore, je pique la nourriture des autres, par contre, quand moi je me fais un truc... C'est à moi, vous prenez pas. L'égoïsme à son paroxysme. Allez, j'ai faim. Maman, j'ai faim, regardez ce qu'elle mange. Allez, j'ai faim. Ça sent la pluie de météorites. Non, Black Cyril, non, ne parle pas de mal. Ne parle pas de malheur. Oh là là, mais c'est long hein, à cuisiner tout ça. Ha ha, t'as essayé de me voler ma bouffe. Tu n'as pas réussi. Oh, regardez, en plus, ça fait un smiley. Bacon and eggs. Ça va me faire du bien. Boum. Bonne nouvelle. Par contre, je vais faire ça, tiens. Hop. Voyons voir. Est-ce que ça, je peux le récupérer? Ah, trop cool. Ah, du coup, quand le personnage Willow meurt, quelqu'un d'autre peut récupérer son briquet, mais par contre, il a une durée de vie. Il est où? Ah, là. Ok. Et ma torche, je vais la mettre juste à côté. Voilà. Je vais peut-être vous faire une autre tente. Est-ce que j'ai de quoi vous faire une autre tente? Il me manque encore 3 cordes et 2 branches. Alors, 3 cordes, 1, 2, 3. Maintenant, il va me manquer des branches. Est-ce que par hasard, quelqu'un a mis des branches là-dedans? Non, pas du tout. Par contre, j'ai vu quelque chose qui m'intéressait là. Non. Si, là. Je vais peut-être vous faire un frigo. Alors. Un frigo. Où es-tu, frigo? Il doit être dans manger. Voilà. Alors, petit frigo. Hop. Ça va être pratique. Alors. J'ai rien fait, je vous jure. T'inquiète pas, Magritor, on ne t'accuse de rien. Il y a du peuple. Eh bah oui, Lost Mindy, il y a du monde. Et sur le serveur, on est déjà pas mal. Ah, j'ai pas de viande pour mettre là. Hein. Il me fallait quoi déjà? Il me fallait des branches. Oh là là, mais tout ça a déjà été pris. Est-ce que ça a déjà été fertilisé? Oui. Je suis même pas sûre qu'il y ait besoin de fertiliser. Il me faut des branches. Ah mais c'est de là qu'elles sortent les chauves-souris. Je comprends mieux maintenant. Là, il doit y avoir des branches là-bas. Willow peut même crafter des briquets. Oh, bonne nouvelle. Je ne vois plus ton nom. Darksim, d'accord. Je ne savais pas. Oh, merci pour les branches. Merci Gunther. Merci beaucoup. Oh là, 21. J'en ai pas besoin d'autant. On a pris mon œuf. Ah oui, pardon, Mogwai. J'en ai fait à manger en plus. Comment puis-je me faire pardonner? En faisant une autre tente. Regarde. Regarde, je me fais pardonner en faisant une tente dans laquelle tu vas pouvoir dormir et restaurer ta santé mentale et ta vie. Ah, mais vous avez déjà utilisé toute ma tente? Bon, bah j'en fais une autre alors. Hein. Hop là. Qu'est-ce qu'il me faut pour en refaire une? Il va me refaloir des branches. J'en ai assez du coup maintenant. Par contre, il va me falloir... Ouais, j'ai plus de ça là. De paille. Ah ouais, il y a une météorite qui est tombée là. Hein. Je voudrais pas vous dire, mais c'est mauvais signe ça. Ah là là, ouais, là il y a eu une pluie de météorite. Tout là, regardez. Partout il y a des petits signes noirs. Ça en général, ça veut dire tendu. Tendu. Un host game ou un serveur dédié, le mieux c'est un serveur dédié. Je sais pas faire la différence, Tonio. Mais là pour le coup, il me semble que c'est un serveur dédié. Puisque c'est donc notre Diabou national qui l'a créé. Diabou qui est un codeur, un programmeur de Clay, le studio qui développe Don't Starve, qui travaille même précisément sur Don't Starve Together, qui nous a fait gentiment, avec la gentillesse incarnée, ce serveur à 20 personnes, sur lequel nous prenons plaisir à jouer tous ensemble. Qu'est-ce que c'est que ces panneaux? Il y a écrit quoi dessus? Nord Buffalo, encore plus Nord Wormhole. Ah, mais tu peux mettre des trucs sur les panneaux. J'avais jamais utilisé les panneaux. C'est vachement bien, en fait. Oui, du coup, il y a des buffalo là-haut. Trop bien. Il aurait fallu que je fasse un rasoir pour les couper. Bah, attendez, vous savez, je vais faire ça, en fait. Je vais aller couper des buffalo. Je crois que j'ai vu en Science Machine pas très loin. On va aller faire ça. Comme ça, après, on va pouvoir se faire des petits gilets pour l'hiver. Un serveur sur les devoirs sur table.
Quoi ? Vous parlez de quoi devoir sur table ? Merci, mademoiselle Mysterious, de follower. Je fais un favoritisme parce que je n'ai dit merci à personne d'autre. Mais je vois que vous êtes beaucoup à follower, donc merci beaucoup à tous ceux qui follow. Je fais un merci groupé. Hein. C'est comme quand tu dis un bonjour groupé. Bonjour tout le monde. Et du coup, merci à tous ceux qui follow. Je ne cite pas tous vos noms, mais j'ai vu qu'il y en avait plein, donc merci infiniment à vous. Je crois que je suis partie du mauvais côté, par contre. Voilà, il y a plein de météorites. Ouais, je suis partie du mauvais côté. Oh, j'ai vu qu'il y a des tallbirds là-bas. Je vais faire gaffe aussi. Ces petits oiseaux aux grandes pattes qui portent bien leur nom de tallbird. Atto qui kidnappe le live de Fanny. Qu'est-ce que tu fais, Fanny, à la prochaine pause? Je dois absolument prendre le PC 5 minutes. Ok, pas de soucis. No problemo. Qu'est-ce que je voulais faire? J'ai déjà oublié. Oh là, j'ai un bug. Ah. Oui, je voulais faire un rasoir. What? What? Que se passe-t-il? Diabou est arrivé. Tout s'est cassé. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Diabou est arrivé sans se presser. Mais si tu veux nous rejoindre, Diabou... Mais je te vois pas, en fait. Vous parlez de Diabou, mais je le vois pas. Unicorn. Pour ceux qui veulent nous rejoindre, c'est le serveur s'appelle Red Fanny. Le mot de passe, c'est Unicorn. U-N-I-C-O-R-N. Atto qui la kick. Ça doit être ça, Assassinounded. Assassinound. À tout le monde à déco du coup. Bon bah au moins ça laisse la place à d'autres joueurs si ça se trouve. Ah bah non, vous êtes encore là vous. En fait on est que deux à être kickés. Je crois. Alors, je disais quoi? Je disais... En fait je vais pas le garder ça. Si quelqu'un le veut, il reste 27%. Voilà. Je disais... Ah oui, un rasoir. Ah mais du coup on a passé la nuit. Oh zut. Bon c'est pas grave. J'ai mon rasoir. J'ai mon fantôme. Todo va bene. Le mot de passe a été changé? Non, non, Prico. Pirico, le mot de passe c'est toujours Unicorn, U-N-I-C-O-R-N. Le serveur s'appelle Red Fanny. Nous sommes... Est-ce qu'il reste de la place? Oui, nous sommes 17. Il reste 3 places si quelqu'un veut nous rejoindre. Si quelqu'un avec un S. Quelques-uns. Le reco fonctionne. Moi je suis de retour en tout cas. Pour jouer un mauvais tour. Ah, Théodrème qui fait son job de modo à la perfection. Bienvenue aux arrivants, installez-vous confortablement et profitez bien du live. Live en cours, don't starve together. Préparez votre sac de survie, ça va saigner. Ah, et en plus tu mets le lien des mods. C'est juste parfait, Théodrème, tu es parfait. Je pense que Diabou n'est pas là vu qu'il habite au Canada avec le décalage horaire. Je pense que tu as raison aussi, Tonio. Il devrait arriver aux alentours de 18h si nous sommes toujours là. Bon alors, les buffalos sont là. Le wormhole est là. Je le vois. Là. Et là, tu as écrit quoi? Non, voici une baste avec frigo et plantation. Oh, c'est vrai? Attends, je vais aller voir ça. Nord-ouest, c'est par là du coup. C'est vrai qu'on est beaucoup, j'oublie que ceux que je vois, c'est pas tous ceux qui sont sur la map. Tout à l'heure, on a vu une base ultra hypée de la mort qui tue, avec tout ce qu'il faut pour survivre, une cage à oiseaux en or goldé, tout ça. C'est vrai que j'oublie qu'on n'est pas les seuls au monde et qu'il y a plein de gens sûrement sur le jeu qu'on ne croise pas et qui font leur base tranquillou. C'est vrai qu'au départ, j'avais dit on fait tous un peu notre vie et on se croise au plaisir de se croiser. Et au final, je suis un peu restée sur la base avec tout le monde parce que c'est plus safe. Ah oui, ils sont en Colombie-Britannique. C'est vrai, ça s'appelle comme ça, la Colombie-Britannique. La côte ouest. La Colombie-Britannique. J'avais jamais entendu ça, Kimou. Mais genre jamais. Parce que, ouais, du coup, Vancouver, c'est au Canada, donc c'est la côte ouest canadienne. Mais en même temps, un peu tous les pays et toutes les villes ont des surnoms. La Grosse Pomme, la Ville Lumière, tout ça. Donc ce n'est pas impossible. Alors, de la paille, de la paille, de la paille. De la paille, là. Je ne trouve pas la base qui était censée être au nord-ouest. Peut-être que c'était au nord-ouest, genre tourné comme ça.
À 90 degrés. J'ai perdu ma culture d'araignée. Ah mince. Désolé, Rome Poco. N'hésitez pas à me dire quand vous avez besoin d'aide. En même temps, normalement, je suis censée vous voir sur la map, mais j'en ai pas tant l'impression que ça. Hein. Ouais. Le mode ne doit pas fonctionner sur un serveur comme celui-là. La déception. Ça aurait été sympa de pouvoir se repérer. À quoi ça sert l'oiseau dans la cage? Alors, quand Inox, l'oiseau dans la cage, c'est vachement pratique parce que du coup, quand tu lui donnes n'importe quoi à manger, il te donne un œuf. Et c'est, bah, ça fait de la viande, quoi. Et du coup, en hiver, avoir de la viande comme ça, quasi limitée, bah, c'est priceless, j'ai envie de dire. Ah, on dirait que ça, c'est une base. On dirait que ça, c'est une rangée d'arbres de la main de l'homme. Oh, mais toi aussi, tu es posé. Bonjour. Yo. Yo. Alors regardez, je peux vous montrer peut-être pour l'oiseau. Si je lui fais ça. Hop, je lui donne à manger. Bah. Comment ça, il me donne du caca? Normalement, il me donne des œufs. Là, mais qu'est-ce que fais-tu? Non, ça, il en veut pas. Bah mince alors. Oh bah zut, qu'est-ce qu'il a dit? Yo, non, je viens de découvrir ça. Ah d'accord. Bah la personne qui est là, elle est posée. Hein. Mais ça se trouve, elle est partie. Ça se trouve, elle est partie en fait. Bon, en tout cas, la personne qui a fait cette base, félicitations, elle est ultra classe la base. Hein. Je suis impressionnée. Oups, je viens de baisser ma santé mentale bêtement. Alors, voyons voir. Bon, je vais récolter un peu. Parce qu'en même temps, s'il revient pas, tout va mourir, là. Hop. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Moi, je vais prendre un peu des baies. Hop. Est-ce que je peux refertiliser? Non. Bon petit déj Dark Sim. Bon bah du coup je suis pas revenue sur le jeu, j'ai trop faim, j'ai pas encore de petit déj, je regarde quand même le live. Ah Dark Sim, Dark Sim, est-ce que c'est ta base qu'on voit là? Parce que franchement elle pète la classe. Oh une autre Wendy, salut. Ton fantôme il est en mauvais état. Ah j'avais dit les buffalo. Attendez j'y retourne. Est-ce que je les vois encore sur la map? Non pas du tout. Ils sont par là. Vite. Je suis reparti trop loin, moi. Allez. Je veux les poils de buffalo. Ah mince, je voulais juste partager les images de skin. Ah oui, Tonio, on peut pas mettre de lien sur le live, sur le chat. Alors, buffalo, où êtes-vous? Où êtes-vous, buffalo? Oui, je les ai trouvés. Hop. Hop, vous allez voir, ils sont trop drôles quand ils sont rasés, ils ressemblent à rien. Alors ça c'est bon, est-ce qu'il y en a d'autres? Buffalo. Petit. Buffalo. On a encore le temps là, de la nuit. Ah ouais, trouvé. Petit. Minou. Mais là c'est le chat qui débarque. Non chaton, c'est pas toi que j'appelais. Allez, d'autres buffalo. Il me faut plein de fourrure. Oui, encore un. D'autres. Il me reste encore un peu de temps. La nuit est longue. Putain, on entend super bien les mouches la nuit. On entendrait une mouche voler. Je vérifie sur la map là-haut. Allez, buffalo. Oh non! Ouf! Oh là là, j'avais plus de torche. J'ai failli mûrir. C'était tendu. Bon, je vais aller récupérer les poils. Je te donne des œufs contre de la viande. Miwak, tu fais tes échanges là, tu fais ton marché.
Ah mince, ouais, c'est plus très bon ça. Regardez! Regardez comment ils sont énormes! Ils me font délirer. Regardez, ils sont tout penauds. Je suis tout rasé, je n'ai plus de poils, je ressemble à rien. Hop, hop, hop. Je récupère tout. Ah oui, donc là-haut, il y a du marécage. Ça peut être intéressant. On va essayer de s'en souvenir. Hop, hop, hop. Oh, le pauvre. Les buffalos tondus, c'est vraiment pas joli. Hein. C'est comme un mouton tondu. C'est tout nu. Mince, ils sont où? Ils sont peut-être partis vers le nord. J'ai laissé Chester à ta droite. Ah, ça c'est une honnête. Tu as perdu ton Chester. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est une chauve-souris qui... D'accord, qui hiberne. Oh. Oh, d'accord. Et en plus, on gagne rien. Bon. Est-ce que c'est mes poils, ça? Oui, ça a l'air. Poil, poil, poil. Par contre, j'avais un gros tas de... Il refaut des tentes. J'arrive, Gunther, j'arrive. Attends, je prends de quoi faire... Je prends de quoi faire des cordes. Est-ce que j'ai des petites branches? Non, j'ai pas de petites branches. Ah, ça va être terrible. Pas terrible, ça, par contre. Il va me falloir des petites branches. Attends, voir. Mais ils étaient là, les buffalos, tout à l'heure. Bah, je rêve ou quoi? Ah! D'accord, je comprends mieux. Je les trouvais plus. Ah, on va pouvoir faire plein de pulls de laine. Tu as vu, Red Fanny, le mode avec quelque chose interne de Shipwreck sur Don't Starve Together? Je ne vois pas du tout de quoi tu parles, Tonio. Le mode avec quelques items de Shipwreck. Ah oui, ça y est, je vois. Tu parles du bouchon de... Comment ça s'appelle? Du bouchon de baignoire. C'est ça, et une corde à nœuds, et je ne sais plus exactement, dans Don't Starve Shipwreck, qui annonçait dans Don't Starve Together, qui annonçait le Shipwreck. C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait ça. Ah, je suis en train de mourir de faim. Hop là, voilà. Par contre, il va me falloir des branches. Je n'ai plus de branches. Et ça va me manquer. Ça va vite me manquer. Est-ce que quelqu'un a des branches? Salut Sam Fox QB. C'est donc comme ça qu'on rase un atome. Merci Red Fanny. C'est ça, Docteur Glou, prends-en de la graine. Celle que je viens de manger. Ah, je peux pas faire ça. Bah oui, j'ai plus de... Oh, oh, merci. 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 Trop cool, merci pour les branches. Oh, il y a des gens tellement cool sur ce live. Des gens tellement cool sur ce serveur. Bon, par contre, là, il y a l'air d'avoir des pluies de météorites. On va éviter quand même. Hein. La 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 la, j'aime les licornes, je les aime beaucoup. Allez, on va buter un peu des araignées. I'm going to stomp you to death. Mais non, faut pas taper les nids. Oh, mais non, faut pas taper les nids, après il y en a plus. Ah, faut pas taper les nids. Il repop pas. Ah là là, mais les gens! C'est précieux les ressources dans Don't Starve. Il faut pas taper les nids, il faut taper les araignées une par une qui, elles, repopent dans le nid. C'est comme si t'avais un puits qui te donne sans cesse des ressources et toi tu niques le puits donc t'as plus de ressources. Faut pas faire ça. Oh, c'est trop cool, vous avez fait une cage. Est-ce que je peux lui donner des graines? Non, tout à l'heure il m'a donné du caca. Et je te donne une carotte. Il me donne des graines. D'accord. Oups. Pardon. Si je te donne un... Carotte seed. Oh. D'accord. Si je te redonne une graine. Il donne pas d'œufs, cet oiseau. Oups. Pardon. Excuse-moi, petit oiseau. C'est pas ça que je voulais faire. Bon, je ne sais pas. Normalement, il ne donne pas des caca. Hein.
Normalement, ils donnent des œufs. C'est un peu déçu, déception, là. Attends, j'ai plein de caca, tiens. Hop. Hop. Et... Ah mais non, mais j'ai plus de graines. Si, j'ai ma graine, là. Elle est là. Hop. Hop là. Et voilà. Walou. Ah oui, un œuf d'araignée. Et un chapeau. Ouais. Qu'est-ce qui se passe avec ce cochon là? Ah mais oui, il attaque le... D'accord. Attends. Je vais t'aider. Aïe aïe aïe. Ouais, je l'ai eu. Ouais, parce que l'inconvénient du personnage araignée, c'est que les cochons l'attaquent. Les araignées l'attaquent pas, mais les cochons l'attaquent. Donc c'est un peu à double tranchant. Et personne ne met de feu dans le feu. Poussez-vous! Ah, punaise. On est un peu trop nombreux sur cette base. Alors. Hop. Toi, je te mets là. Allez, à deux, on est plus fort. Ah là, il y a des bruits bizarres. Alors, attendez. Ouais, je vais pouvoir faire un frigo. Ça, j'en ai pas besoin. Attends, j'en ai d'autres. Tiens, hop. J'avais dit une tente. Une tente, une tente. Où est-ce qu'elle est? Où es-tu? Où es-tu? Là. Ah, corde. Oui, c'est vrai. Corde, 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 corde. Corde, corde, corde. Une. Deux. Moi, ouais, je vais en faire plus, d'ailleurs. Trois. Je vais en faire six pour faire deux tentes. Je sais pas si j'ai assez pour faire deux tentes. Même plus, attends. 8, 9. Oh, c'est qui c'est qui a amené un tall bird? Vas-y, fantôme, vas-y, fantôme, vas-y, fantôme. Oh, il a pris tellement cher. Bravo. Vous êtes trop fort. Comment vous lui avez mis la misère? Bon, par contre, c'est dangereux de péter la tête à des monstres aussi près du camp. Parce que il y a certains monstres qui s'enflamment, je crois, en mourant, donc... Magetta, quel âge j'ai? Tu sais qu'il ne faut jamais demander l'âge d'une femme. Sinon, tu peux le deviner si tu veux. J'ai 4 ans d'âge mental. Ça, ça me va. Alors. Attends, ça, je vais le poser. Mm-hmm. Ah mince, attends. Ça là. Ok, alors, détente. Tati? Alors, une tente. Ensuite. Déjà? Qu'est-ce que j'ai fait de mes toiles d'araignée? Mais je croyais que j'en avais plein. Bah mince. Bon là, il y en a deux. Je crois que j'en ai besoin de quatre. Oups. Bon, attendez, je vous laisse ça pour faire les... Je vous ai laissé les trucs de buffalo pour faire les pulls. Des pulls au vert. Et je ne ferai pas la blague sur les pulls au vert. Donc, il me faut des toiles d'araignée. Alors, les toiles d'araignée... Araignée, araignée, là-bas. On va aller taper de l'araignée. Elle est concentrée, Fanny. C'est ça, Méaline. J'essaye de ne pas mourir. J'ai commencé par 3 fails. C'est ça, hein, je suis morte 3 fois. Cette fois-ci, j'ai envie de bien jouer. J'ai envie de vous rendre fière. Quand c'est la dernière fois? Est-ce que Théodrème, tu te souviens de quand j'ai repris le live? J'ai oublié de regarder l'heure cette fois-ci. Oula, oula, il y a des nids x3 là. Attends, on va faire juste celui-là qui est x3. Quoique, on est déjà... Non, on est en plein milieu de la journée, ça va être tendu. Est-ce qu'il y a des plus petits nids? Non, j'en vois pas d'autres. Il y en a 3 là. Ah non, il y en a un plus bas. Je vais aller voir celui qui est plus bas. Et le temps que j'y aille, comme ça, il sera peut-être la tombée de la nuit et mon fantôme sera plus fort. Mais Fanny, tu es pas une femme, tu es la femme d'Ato. Oui, mais je suis une femme avant d'être la femme d'Ato quand même, Nucléo. Quelle blague. Atomium, tu ne veux pas que je raconte cette blague. Il est encore beaucoup trop tôt. Normalement, c'est après minuit qu'on fait des blagues plus 18.
Tu connais pas la blague du pull au vert ? Et quelle est la différence entre... Bah non, entre un sweat et un sexe féminin. Ah voilà, c'est pas mal là. C'est un nid à deux niveaux. Niveau 2. Ça, je peux le faire. Non mais t'as pas besoin de le taper, il y a mon fantôme. Non mais prends pas de risque. Si tu meurs... J'ai peur pour toi, mon ami. Aïe, je veux pas voir ça. Un pull... voilà, c'est la différence entre un pull au vert et un sexe féminin. Oprime ! Un pull au vert, ça moule, c'est ça. Merci Oprime pour la blague. Ascendant licorne. Attends, mais Aline, j'ai pas vu ce qu'elle a dit. Bon, je vais taper le nid, du coup. Ah non, parce que c'est l'autre nid qui fait des glandes d'araignée. J'ai peut-être tort, en fait. Bon, maintenant, c'est un peu trop tard. Ah, mince! C'est le nid à 3 qui fait... Bon, attends, maintenant, la tombée de la nuit. Je vais pouvoir taper... Ah non, mais il y en a 3, là. Je vais pas avoir le niveau, là. Si. Peut-être qu'avec mon ami, on va être assez puissant. Attends. Ah, j'ai peur pour mon fantôme. Oh là là, il y en a trop. Ils sont trop nombreux. Mon fantôme va y rester. Reviens, fantôme. Aïe, aïe, aïe. Oh non, mon fantôme, il y est resté. Ah, zut. Non. Ah, mais en plus, la fleur, elle est morte. Va falloir que je refasse une fleur. Ah, mais il y en avait au camp, je crois. Ah non, sans déconner. J'en étais sûre, c'était trop gros pour moi. Ah zut, j'ai eu les yeux plus gros que le ventre. Salut Captain Moon. Bienvenue à toi sur ce live, le Don't Starve Together. Et je n'ai pas vu la réponse de Théodrem. Est-ce que tu m'as répondu, Théodrem? Est-ce que tu sais quand est-ce qu'on a repris et du coup depuis combien de temps je relive depuis cette micro-pause? J'essaie de faire des pauses de 30 minutes, mais si je ne regarde pas l'heure, ce n'est pas évident. Et là, je n'ai absolument pas regardé l'heure. Je croyais qu'il fallait pas taper les nids. Oui, c'est vrai qu'ils mouent, mais normalement, les nids gros comme ça, 3, ils redonnent des espèces de glandes d'araignée pour pouvoir en replanter des à niveau 1. Je me suis gourée, j'ai tapé un niveau 2. C'est vrai que c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité. Je te dis de pas taper des nids et j'en tape un. Mais c'est vrai que celui-là, il était près de la base, ce qui est très pratique pour avoir des glandes d'araignée. Mais du coup, il n'y est plus. En plus, je parie que c'est monsieur tête d'araignée qui l'avait planté. Mais bon, c'est pas très grave. Du coup, c'est vrai qu'on a un bonhomme araignée. Du coup, il peut nous refaire des glandes d'araignée pour replanter des nids, ce qui est très pratique. T'aimes pas les araignées, mais Aline, je comprends. Ah, mais c'est toi qui as peur des araignées. Ah, je suis désolée, du coup, j'arrête pas de parler d'araignées. Mais dans Don't Starve, on parle souvent d'araignées. Quelqu'un du silex? Oui. Non. Non. Oh, mais j'ai des nids d'araignées. Oh, mais je peux en replanter, en fait. J'avais pas vu que j'en avais. J'en ai récupéré tout à l'heure, mais j'avais pas fait gaffe. Ah bah non, en fait, c'est moi qui les ai. Mais attendez, je mets deux petits œufs d'araignée, là. Un là, et un... Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas. Un dans le coin, là. Trop cool! Even that is not permanent. Je sais absolument pas ce que c'est. Elle fait des pauses toutes les 30 minutes. Oui, Lunmia, j'essaye. Du moins, j'essaye. Non, je sais pas, j'ai pas fait attention. Ah mince, Théodrem! Je dirais 40 minutes. Là, tu es 30 minutes, il me semble. Ok, bah, je vais faire une pause, alors. Je vous fais confiance. Est-ce que j'ai assez de toile? Oui, j'ai assez de toile pour refaire une tente, normalement. Bon, attendez, mais ça se tabasse par là-bas. Voilà, mais il y en a plein, des monstres. Oulala, j'ai plus de vie. J'ai faim en plus. Oh là là, mais c'est qui nous a ramené tous ces monstres? Oh là là, c'est tendu là. Oups là. Oh, il y a des morts. Aïe. Ouh, c'est tendu. Ah, là, il y a peut-être... Ouais, des glandes. Ça m'arrange. S'il y a des gens qui ont plus de vie, tiendez.
Vous avez quel âge, vous, hein? ASV, ASV sur le chat. Tout le monde dit son âge, âge sexville. Alors, attendez, je vais faire à manger. Tac. Et après, on fait une pause. Hein. Mais j'ai rien, en fait. J'ai que dalle. La main! Non! Va-t'en, ville main! La main! L'OGA, c'est pour toi. Oh, la main! Si tu es toujours là, je sais pas si tu es toujours là. Moi, je reprends mes glandes alors. Pif, paf, pouf. Ah, carotte! Je vais peut-être pouvoir cuisiner. Carotte. Bah, il me manque une dernière chose. Ça, je peux pas le mettre. Non. Ben. Si, sinon, je peux faire ça. Pif, paf, pouf. Hop. Et on cuisine et on fait pause. Et je vous retrouve tout de suite, 30, 36, 30, je n'ai pas d'âge, je suis un bot, ça m'a grittant. Attendez, je remets en comme ça. 32, 28 M Paris, 23 M Toulouse. Pourquoi il n'y a que des M? Ah si, Lost Mindy, ouais, 30 F France, c'est merveilleux. 19 M Saint-Pierre à La Réunion. Oh la chance, Cantinox, c'est à La Réunion. Ah, 28, 25, 20. Mais dis donc, la tranche d'âge, c'est 20-30. Hein. Il n'y a pas en dessous de 20, il n'y a pas en dessous de 30. C'est étonnant. Ah si, il y a 32. Locori, Méaline. Ah, ça va. La tranche d'âge est assez réduite. Ça ne va pas du tout. C'est-à-dire que les jeunes... Je n'intéresse pas les jeunes, je n'intéresse pas les vieux. Enfin, on est tous jeunes. On est tous jeunes ici. 18. Oh, 18. Niaumaris, ouais. Il y a des moins de 20 ans. Ouais, Cerisis chérie. Oh mon dieu, tout le monde dit son âge, ça y est, c'est fini. 22 à tôt, un peu de respect. Toujours du respect. Le meilleur âge, c'est le vôtre. La phrase, le meilleur âge, c'est le vôtre. Ce serait une fabuleuse phrase de campagne. Eh bien écoutez, je fais une toute petite coupure. Je vais lire tout ce que vous avez dit, histoire de mémoriser. L'étape d'après, c'est tout le monde envoie sa photo. Et on fait une grosse photo de groupe avec toutes les petites têtes comme ça. Oh, je suis en train de mourir, attendez. Attendez. Quoi? Non! Non! Je suis morte! Non, je suis morte! Non! De quoi je suis morte? Je sais même pas! De quoi est-ce que je suis morte? J'avais faim, c'est ça? Non, sans déconner! Je fais une pause et je reviens tout de suite.